Et salut à tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Or. Alors on se retrouve exactement au même endroit que vous avez vu dans la petite dans le petit épisode bonus que je vous ai fait l'autre fois. Donc nous sommes lundi soir donc. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour l'arène numéro 3, l'arène de Doublonville, où nous allons l'arène de Pokémon normaux. N'est-ce pas? Donc voilà. Allons-y. Ah oui, avant je voulais voir les Pokémon du casino. Donc si je me plante pas, le casino c'est ici, donc on y va. Bienvenue au casino, voulez-vous des jetons? C'est 1000 Pokémon pour 50 jetons. Non, ils sont les prix. Ah, ils doivent être là, voilà, les caissières. Bienvenue, on échange les jetons contre de fabuleux prix. C'était... non, je m'en fous. Bienvenue, on échange les jetons contre de fabuleux prix. Abra, Abomi, Draco. Bon, peut-être qu'en off, je ferai du casino, vous voyez. Histoire d'avoir, genre, mini Draco, ça pourrait être super bien. Excusez-moi, j'ai encore dans la tête, là, genre... La reine, est-ce que vous êtes prêts? Personne à l'horizon? Est-ce que mes Pokémon sont soignés? Oh fuck, j'ai encore Scarbrut. Je ne le veux pas. J'ai dit que je ne le voulais pas dans mon équipe. C'est donc mon second Scarbrut, c'est super, c'est génial, c'est nul. Putain, grâce les couilles. Une fois que je capturais un pep illusion. C'est de Léo, oui, je suis un stock de Pokémon, stocké Scarbrut. Et normalement, dans un niveau, mon mystère évolue. Et ça, c'est good, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand même si ce n'est pas la pierre soleil pour le faire évoluer. Un joli flore, je l'ai dit. Au moins, je l'aurai en ortide. Voilà. Hey! C'est parti pour le combat Pokémon. À l'avant. Victoria Canon veut se battre. Victoria Canon envoie Fouinette. Niveau 9. C'est de la chair à pâté. Va la vie, mystère. Vole lui la vie. Allez, vas-y, mon petit mystère, vole-lui toute sa vie, récupère la tienne, hop, voilà, nickel. Oh, t'as pris des dégâts? Non, c'est un mensonge. Comme le gâteau. Fouinette. Non, je ne change pas de Pokémon, on est parti, on continue. Allez, vas-y, mystère, vole la vie, encore, pompe-lui toute sa vie. Ah, ok. Bon, le niveau 13 est un peu plus costaud. Ce qui me paraît tout à fait logique. Mais bon, vu que j'ai qu'une attaque, on va la spammer, n'est-ce pas? Ah, ouais, non, vive attaque. Ok, pas de soucis, c'est pas grave, je vais récupérer ma vie. Ah, attends. Yeah. Ah, tu fais pas le malin life, Fouinette. Tu crois que ton attaque, vive attaque, me fait peur? Mais parce que moi, je te vole ta vie. Ah, pas un feu fouinard. Je crois que c'est ça, c'est Fouinard. Bref. Vole vie! Oh putain, il est beaucoup plus costaud lui quand même. Yo! Bouleur mur. Non, ça, je crois que ça augmente pas sa défense spéciale. Voilà. Donc je peux continuer à spammer Vol lui, ça il fera autant mal. Pendant que lui m'agresse avec vive attaque. Ouh, j'ai peur. C'est pas grave, je recommence. Je revole sa vie. Ouais! Et encore une attaque. Je recommence votre vie. Ouais, trop bien, c'est trop cool. Vivement que j'ai une attaque plus puissante quand même. Une vive attaque de mystère, sur mystère. Vol vie. Et il est mort. Et je pense que je passe niveau 21. En tout cas, ça m'arrangerait. Allez. Ah, foiré.
Victoria Connor a perdu. Voyons voir. Oups, c'est fini. Oui. 1400 Poké-Dollars. 1500 même. Là, la championne est là. Avec son écrémeux. Écrémeux ou écrémeux, c'est pareil. Pff, ça fout. Fais de ton mieux ou je t'aurai. Attends. Je t'explique. Carla Canon envoie. Attendez, deux têtes, Snubble. Ah non, Miaouss. Fail. Ah mon dieu, il m'a griffé. Bref. Putain, mais arrête. Ne pas chanter, ne pas chanter. Jackpot. Une puits de pièces. C'est bon, et normalement, Mister passe au niveau 21. Là, il donne juste passer. Mais non, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Miaouss. Bon, on va aller un peu plus vite, hein, merde. Il y a un moment où je veux bien, mais... C'est time to speed up, j'ai envie de dire. C'est parti, Flamèche. Ça fait déjà beaucoup plus mal, hein. Oh, en plus il est brûlé. Oh, c'est triste. Car la canon a perdu. Non, oh Miaouss, je suis désolé. Attends, on vient de 32. Waouh, Mister évolue. Pam 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 pam. Félicitations, votre Mysterbe évolue en Ortide. Yeah. Ne crois pas que je sois faible. Oui. Je n'ai rien dit, hein, à part ça. Tout va bien, magnifique. Jennifer Fillette veut se battre. Ah non, c'est elle qui avait Snubble. Ortide. Merde, ça c'est moche ça. Je suis paralysé. Je dois avoir l'antipara sur moi. Oui, j'en ai. Hop. Snubble, tu es coincé. Oh putain. Allez, vivement que j'apprenne une autre attaque, merde. C'est cool de diminuer l'attaque, mais moi je fais des attaques spéciales. Donc ton charme ne me sert strictement... Enfin, ton charme ne sert strictement à rien, petit Pokémon. Je veux dire, petit chien, mais non. On va éviter, hein, ça peut porter à confusion. Yo. Jennifer Fillette a perdu. Zut, je croyais que tu étais un Minus. Et non. Putain, tu me donnes pas d'argent en plus. Hein. Alors, il me reste encore des combats. Ouais, il me reste que celui-là. Ok, c'est parti. Je préfère les Pokémon mignons plutôt que les Pokémon forts. Mais j'en ai un multifonction, il est mignon et fort, à la fois. Si tu le dis. Bridget envoie Rondoudou. Rondoudou. Mmh, 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 mmh.
Tu vas quand même faire berceuse. Allez, ça affecte portide. Allez, j'ai pas d'oreille, t'es deg. Le mec. Ah mon dieu, il m'écrase sa face. Enfin, il écrase ma... Oh oh, ça c'est moche. Ça c'est moche. Bon, bah t'as un pied ortide, hein. Tu as dépassé ton taux de combat, je crois. Oh putain de merde! Est-ce que j'aurai un réveil? Un seul. Oh putain. Si jamais il me fait une berceuse par derrière, je rage. Entrave, mais j'ai rien fait encore. Pff. Allez, brûle. Je ne veux plus entendre parler de toi, brûle. Je suis sûr qu'il va me sortir un gros doudou à la fin. Faut qu'il soit mignon et fort. Non. Ouf. J'ai vu le moment où j'allais me bouffer une attaque. Berceuse. Yup. Ah non, gros doudou encore. Alors je change de Pokémon juste pour enlever l'entrave. Hein. Et s'il va me sortir un doux. Je suis sûr que je vais me bouffer une berceuse. Je vais me bouffer une berceuse dans le pari. Allez, on parie. Ah non. Oh putain. Et bim. Ciao. Coup critique. Ouais, pour y enlever un PV. Bridget Fillette a perdu. Oh non, oh non, non. Putain, mais elles sont radines. Hein. Bon. J'ai clean l'arène. Maintenant, on va soigner au Pokémon. Et j'ai oublié de lancer le chrono. Alors, attendez deux secondes. Je reviens. Enfin, je reviens. Je reviens de devant l'écran, on va dire. Parce que là, je suis... Voilà, c'est bon, là je suis de nouveau devant l'écran. Voilà, si tu veux savoir, j'étais encore avec le micro-casque sur la tête. Bref, on s'en fout. Je démarre le chrono, on s'imagine que les vidéos viennent de commencer. D'accord. Le mec. Bref. Twin, 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 twin. De rien. Encore merci. Pourquoi c'est elle qui me dit merci? Je me rends compte d'une énormité. Bref. On continue. Salut. Salut. Salut, moi c'est Blanche. Tout le monde aime les Pokémon, alors moi je fais comme les autres. Les Pokémon sont super super mignons, pas vrai? Ça te dirait de te bastonner un peu? Je préfère te prévenir, je suis très forte. En même temps, t'es maître d'arène, hein, j'ai envie de dire. Enfin, championne d'arène. Pff, maître d'arène. Blanche, le champion, envoie mais le fait. Mais la fée, ça l'a pris. Poudre dodo, fais de beaux rêves. Je t'ai endormi avant toi, t'es deg. Oh putain, j'ai fait pas mal. Hein. J'ai presque envie d'envoyer Furisson pour aller plus vite en fait. Mais est-ce une bonne idée? Je crois que c'est 3 tours le sommeil avec poudre dodo, donc normalement là il va se réveiller. Voilà. Ah, je crois qu'elle a lancé berceuse. C'est histoire de foutre une gouche là de plus là, genre. Non.
Fais dodo. Enfoiré, tu sais. Dors, petite, dors. Petite, pardon, tu es une fille. Vas-y, vole vite. Le mec est en couille. Allez, plus vite. J'aime pas métronome. Bouh. Heureusement que c'était pas déflagration, hein. Écrémeux. Non, je vais essayer de faire le combat avec Ortine. Même si je pense que... Ouais, voilà, ça dure. Donc on va l'empoisonner déjà. Voilà, histoire de l'affaiblir petit à petit. Même si ça va devenir compliqué. Oui, oui, oui. Si elle continue sa roulade, ça va devenir compliqué. Ce que je craignais. Sa roulade, plus elle le fait, plus elle est puissante. J'ai un peu peur qu'elle ait moins de shot de frisson en fait. J'aime pas qu'elle me one shot de riche, ça j'aime pas. Frisson. Plus j'étais sûr. Voilà, ça c'est le souci de Écremeux, c'est que elle sait faire que ça. Pff, ça me saoule. La fille qui pique sur un bouton, pire que moi. Encore, mais putain, mais... Bon, bon. Voilà, voilà, ça c'est ça qui est chiant. Avec Écremeux, c'est qu'il faut un Pokémon combat. Tout simplement parce que... Si on peut pas la tuer très très vite, c'est elle qui te bute. Je te fais essayer de la... Oh, putain. Ouais, mais si j'ai Furisson, la roulette va me faire très mal dès le début. Je savais que ça allait me poser problème cette attaque, mais. Est-ce qu'il peut un Pokémon de combat que je peux attraper? C'est ça où j'ai pas encore croisé de Pokémon de combat. Ah, si, un Machoke. Ouais, mais Machoke il n'a pas un moment, je crois. Ouais, bon, tant pis, au pire, hey, j'ai déjà réussi à passer cette arène sans match-up, donc je vois pas pourquoi j'arriverai pas cette fois-ci. Bref. Bon, on va y aller. Une zone un peu plus bourrine. Et blablabla. Cette fois-ci. On va recommencer. Ah. Allez, cette fois-ci. Pourquoi ça ne l'affecte pas? C'était juste l'air dans milieu de 2 minutes. Ok, c'est pas grave. What the fuck? Rien qui n'atteint rien. Vous déconnez? Bon, tant pis, on va y aller à la maison ancienne. J'arrive, je spam quoi.
ça est chiant. Là j'avoue que le combat est... Et j'appuie sur enfin A pour vous. Enfin, A sur la... C'est théoriquement A sur la Game Boy, mais 1 sur mon pavé numérique en fait. Mon dieu, le roi des tornioles. Il rate son attaque. Et encore des claques, des claques, des claques, des claques, des claques. C'est toi la tête à claque! Putain! Ouais, niveau 22, super. Et tu veux rien apprendre d'utile? Non. Eh, putain. Et... Alors, je croise les doigts, je croise les doigts. Ça va faire mal, ça va faire mal. Je bourrine, je bourrine, je bourrine. Mmh. Oui, chance est avec moi. Oh, chance est avec moi. Chance est avec moi. Et donc, on vient d'obtenir notre troisième badge. Ouh, waouh, sniff et re-sniff, t'es pas cool. Hey, wait. Oh non, tu as fait pleurer Blanche. C'est bon, elle va bientôt se calmer. Elle pleure à chaque fois qu'elle perd. Ah merde, oui, j'ai pas récupéré le badge. Sniff. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Un badge? Oh d'accord, j'avais oublié. Prends le badge, Blaine. C'est vrai que j'avais oublié qu'elle ne nous donne pas le badge. Il faut y reparler. J'avais oublié. La mate avait quand même utilisé force hors des combats. Il accroît aussi la vitesse de tes Pokémon. On prend aussi ceci. C'est attraction, ça développe le charme et le pouvoir d'attraction des Pokémon. N'est-ce pas en parfaite harmonie avec mon gentil caractère? Lol, caractère de merde, ouais. Bref, on sort de cette arène, même si je suis pas sûr que j'ai pas pris le plus court chemin, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, oui, du coup, faut que j'aille là-haut. Non, fail. De l'autre côté. À côté. Là. Et elle va me donner un truc pour dégager le simularbre. Oh, tu es bien meilleur que Blanche. Est-ce que tu es au courant de ce que fait cet arbre qui bouge? Tu mouilles avec une carapuce à eau, il attaque. Tant que tu as des badges, ça devrait être bon. Yeah. Ça donne un rasoir. Là, 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 l'eau, ça mouille, mon petit. Sans déconner. As-tu déjà entendu parler de l'arbre qui bouge? C'est une rose. Il commence à sauter ou à se murfer. À se murfer. Oui. Oh non, là, j'ai pas mal de Pokédollars, là. Je vais pouvoir aller m'acheter des Pokéballs. Oui, je vais les soigner. Merci. Merci d'avoir attendu, Pokémon c'est en super forme. Encore merci et à bientôt. Ouais, à bientôt.
en a racheté beaucoup. J'en ai acheté 5. Oui, je peux. J'ai beaucoup d'argent pour le moment. Hein. J'ai pas beaucoup d'argent. Il va falloir que je me démerde de ça. Alors. Non, si je vais au centre Pokémon d'abord. Vu que je vais affronter quelques dresseurs sur la route. Excusez-moi, je fais des allers-retours, je perds du temps, tout ça. D'ailleurs, vu qu'on est lundi, demain il y a le concours Pokémon. Enfin, demain pour vous c'est l'heure de la parution. Enfin, c'est la parution de cette vidéo. Mais je pense que je vous ferai un autre petit épisode bonus de 1 quart d'heure, 20 minutes. Comme je l'ai fait pour que vous voyez si j'ai réussi à obtenir ou pas cette fameuse pierre soleil. Voilà. Donc en avant. En avant la musique. Oh, un Nidoran femelle. Viens par là, toi. Grosse déception. On va la faire petit à petit. Affaiblis-toi, affaiblis-toi, affaiblis-toi. Maintenant, dodo. Fais dodo. Maintenant, viens avec moi. Viens avec moi. Ah, faut que j'aille chercher la Pokémon à Fargas aussi. Oh putain, tellement de trucs à faire. Capturer un Pokémon est assez facile du coup. Un poison très puissant suinte de ses cornes. Une égratignure peut causer un empoisonnement fatal. La corne qui est juste au-dessus des yeux, si vous la voyez pas, avec à cause des pixels. Hop, lui va me combattre. Yeah! Pam pam! Bon, mon truc, c'est les Pokémon insectes. Ok. Mimitos. Mimitos, Mimitos. Pokémon, Furisson. Raté. Flamèche. Bon. Coucou. Je te brûle. Petit insecte. Je te brûle. Piu. Pas niveau 27. Tu le prends comme ça? Ok. J'espère qu'une Nidoran femelle peut la prendre. Hey fuck! Bon, vous me direz, ça ferait une attaque à Ortide. Vu qu'il n'a que machin chouette et que c'est casse-couille là. Il me semble que c'est dans cette version qui est apparue façon l'évasion de capacité, si je dis pas de la merde. Et dans la version Ruby Saphir Emerald, c'est apparu le mec qui te rappelle les capacités. Salut! Quel Pokéball utilises-tu? Les Pokéballs et les Super Balls. Why? Hein, un ornithologue qui s'appelle Greg. Oh cool! Allez, coupe! Ah, l'attaque tornade. Oukoups, yeah. Par contre, je vais en profiter pour faire évoluer une... évoluer. Là. On est au niveau 17... 27. 27, mon furisson, du coup. On va en profiter. Grâce à ce coups,
Allez, oust. What? Lance charge. Oh mon dieu, une attaque charge, je tremble. Bim, allez, au revoir. Merci. C'était sympathique. Alors, je sais pas quel niveau il apprend route feu. J'espère que c'est ce niveau-là. Non. Wow, pas assez rapide, non. Donc on va récupérer la Pokéball. C'était 04. Au cas où je me balade là, son truc. What? Ah ok, ce n'est pas un bug de texture. Encore toi? Ben non, désolé. Je me casse. Lancez coupe. Oui! Voilà, c'est fait. Et là, normalement, il y en a. Lui, je crois qu'il a un cadavre ou un abra ou un truc d'un style. Pimpin, je suis puissant. Yeah! Tu es puissant. Freddy Kinésiste veut se battre. Freddy Kinésiste envoie Abra. Abra. Hop, j'ai récupéré ma vie sur sa gueule. À bon entendeur. Oh. Lance flash. Je crois qu'il a puissance cachée comme attaque. Si je dis pas de la merde. Voilà, chez vous live. Flash. Waouh. Très efficace, Flash. Bref. Je vais changer de Pokémon parce que l'autre a des. De la précision en moins, donc continue, ça serait comme empirer sa précision, donc c'est pas la peine. Autant changer à réunir ses statistiques. Flamèche, fois. Ah, ça fait mal, hein. Voilà, Kadabra, le Pokémon que je voulais. Allô, le Kadabra. Kadabra. Flamèche. Télékinésie. Augmente beaucoup, c'est une attaque spéciale, je crois. Ah non, précision de fonction diminue. Waouh. C'est trop bien, Osef. Ciao. Le mec. Bref. Allez, ciao. Je suis une tâche. Mais non, mais non. Lise. Bonsoir Adran, c'est Lise, t'étais réveillé, comment vont tes Pokémon? Je garde toujours mon Nidoran femelle en forme grâce au centre Pokémon. Devine quoi, l'autre jour j'ai encore failli attraper un Watt-Watt. J'ai peut-être pas de chance. Salut. Clic. J'ai des pouvoirs psychiques, mais je ne sais pas comment m'en servir. Alors là, il y a un arbre. Voilà. Yeah. Une bégèle. Et là, normalement, à côté, il y a un autre dresseur Pokémon, mais qui, lui, me permet d'avoir une pierre feu de temps en temps, je crois. Un truc comme ça. J'ai étudié et je suis incollable à l'attaque. Donc voilà, il me semble que lui me permet d'avoir une pierre feu ou un truc dans le style, cet écolier. Et il m'envoie un sac de nœuds. Sac de nœuds qui, je trouve, a un meilleur skin sur ce Pokémon or et or argent cristal que sur rouge, jaune et bleu. C'était une espèce de grosse boule de poils toute moche là. Allez hop, 293 XP chacun. Oups, me serais-je trompé? Rat. J'étudie autre jour, je lis les liens, ça ne suffit pas apparemment. Oh, t'es fortifié, je peux avoir ton numéro de mobile. Je t'appellerai pour la revanche. Il me semble que lui me donne des pierres et compagnie, fait un truc cool. Je t'appellerai au cas où. Voilà, merci.
Et là, on a Simularbre. Nous sommes à 22 minutes. Je sauvegarde un coup, excusez-moi. Mais au cas où, j'aimerais éviter de perdre ce Pokémon. Car je crois qu'on l'a qu'une unique fois. Donc ça me casserait les couilles. Un arbre bizarre utilise la carapuce à eau. Oui. Adrien utilise la carapuce à eau. L'arbre bizarre n'aime pas la carapuce à eau. L'arbre est bizarre. Attaque! Simularbre! C'est un Pokémon Roche d'ailleurs. Donc la Volvie va lui faire mal. D'accord. La Volvie va lui faire mal. Fléau. Donc on va l'affaiblir. Encore un coup de Volvie et je ferai un poudre de dos et le capturera. Ah mon dieu, il me fait un jet de pierre. D'ailleurs, est-ce que je le garde dans mon équipe? C'est la question que je me pose à ce moment même là. Ça pourrait être un Pokémon Roche original, Simularbre. Ah. Hop, il va me copier Volvie. Mais je m'en fous puisque je fais poudre de dos. Fait de deux. Chut, fait des beaux rêves. Et maintenant, une petite Super Bowl et on prie que ça passe. C'est parti. Super Bowl, go. Allez. Yeah, Simularbre est attrapé. Le profil de Simularbre est ajouté au Pokédex. Il fait semblant d'être un arbre. Sa composition est faite plus plus proche de la pierre. Je sais pas, je verrai si je le garde Simularbre, tiens, je ne sais pas. Toi, tu me donnais Éclatroc, c'est ça? Tu t'es débarrassé de l'arbre? Impressionnant, tu as bien mérité ça. Pardon. C'est le terrible Éclatroc. Tu peux éclater des rochers d'un seul coup. Si un rocher te bloque la route, éclate-le. D'ailleurs, c'est très problématique parce qu'il me semble qu'à l'époque, ce n'est pas une CS. Attendez, je vérifie. Il me semble qu'à l'époque, ce n'est pas une CS, c'est une CT. Donc on l'a qu'une fois. Vous voyez? C'est une CT. C'est une CT. Et pourtant, on en a une utilité. Donc c'est super génial à l'époque. Si vous la preniez au mauvais Pokémon, c'était obligé d'aller le chercher dans le PC, machin. Alors là, si je monte, c'est parce qu'il y a un arbre. Voilà. Trois même. Oh putain, je me souviens pas qu'il y en avait trois. Et c'est un enrhume noir. Un enrhume noir qui me fait la lourde ball, je crois, qui permet de capturer les Pokémon lourds. Et un enrhume rouge. L'enrhume rouge, je crois que c'est la level ball. Pokéball qui permet de choper les Pokémon inférieurs. De toute façon, je me renseignerai après cet épisode, donc quoi. C'est un ogre bleu et un ogre bleu qui sert à capturer la. Enfin, qui sert à faire la Pokéball, qui sert à capturer les Pokémon aquatiques et insectes. Voilà. Il me semble que c'est ça, de mémoire. Alors. Qui vais-je entraîner? Ouais, je vais entraîner Ortide. Salut! Théa et moi sommes inséparables. Théa et Léa jumelles envoient Rondoudou. Ah non, super. Youpi. Coupe feu. Ça n'affecte pas Ortide. Au revoir. Non. Il n'a pas le droit. Et bim, allez là. Mais le fait. Chut. Ah, j'aime pas ça. Vampirisme, oh ça va. Je crois que ça me fera pas beaucoup de dégâts, quoique. J'ai un doute. Non, c'est bon. Et vas-y, coupe. Coupe-lui sa tête. Coupe-lui sa tête. Ah, headshot. Et pour le LOLs, Volvie. Blablabla. Oui. Pam. Yeah. Niveau 23. Tu veux pas prendre une attaque, merde? T'es pas un gentil. Et non. Là, il y en a deux. Un là et un devant, je crois. Attends. Les Pokémon ne peuvent rien faire s'ils dorment. Tu vas voir quel effet ça fait. Ok. Il se croit marrant, lui.
Ulrich qui n'hésite pas à se battre. Soporifique. Ah bah j'ai bien fait de faire voler avant coupe. Ou Ned. Au revoir. J'ai eu peur, mon dieu, oh là là. Perdu, c'est pas cool ça. Roselia. Oh. Léo. Et toi qui es-tu ? Adran, hein, tu arrives au bon moment. Je viens de finir les derniers réglages du bloc temporel. Tu sais que les Pokémon peuvent être échangés. Mon bloc temporel a été mis au point pour faire des échanges dans le temps. Mais tu ne peux pas envoyer des choses qui n'existent pas dans le passé. Si tu le fais, le PC du passé sera court-circuité. Tu dois donc enlever tout ce qui n'appartient pas au passé. En clair, pas d'envoi de nouvelles attaques ou de nouveaux Pokémon par le bloc temporel. N'en fais pas, j'ai fait les dernières modifs. Demain, les blocs temporels seront dans tous les centres Pokémon. Je dois vite retourner à Doublonville pour voir mes parents. Ciao! Yeah! Donc voilà, allez, ça nous permet d'échanger, en fait, ça nous permettait d'échanger des Pokémon entre version or, argent cristal et bleu, jaune, rouge. Voilà. C'est ce à quoi servait ce bloc temporel. Salut! La colère, là où Léviator apparaît. Ça sent l'embrouille, je sais. Alors. Je vous propose de nous arrêter là pour cet épisode. Ouais, pour stocker une urne femelle. J'ai bien envie de garder Simularbre. Oh, c'est quoi, avant de finir l'épisode ouais, non, je le finis là. Oh, je pense que vous aurez droit à un petit épisode bonus non commenté comme la dernière fois où on ira chercher Evoli à Doublonville et où je ferai le concours Pokémon. Bref. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve jeudi pour la suite de Pokémon version or. Ciao les gens! Et merci d'avoir regardé. Oui, j'oublie toujours la politesse. Désolé.